Clôture Online vous présente un nouveau tutoriel. Comment poser du grillage rigide en scellement ? La clôture rigide est très appréciée pour délimiter son terrain. Grâce à ce tutoriel, vous apprendrez les étapes clés de la pose. Dans ce tutoriel, vous aurez besoin de panneaux rigides, de poteaux avec leur chapeau, de sacs de mélange à béton, de plusieurs cales de montage, de litots de bois, d'une bombe à tracer, d'un mètre, d'un cordeau, d'une pelle et ou une tarière et d'un niveau. Assurez-vous avant de débuter la pose d'avoir un espace libre en élaguant les végétaux par exemple. Tout d'abord, tirez un cordeau le long de la future clôture et marquez l'emplacement des poteaux au sol tous les 2,50 m à l'aide de la bombe à tracer. Creusez un trou à l'aide d'une tarière puis d'une pelle. Le trou doit mesurer 30 par 30 cm de large sur une profondeur de 50 cm. Positionnez le premier poteau dans le trou et insérez le panneau dans les encoches du poteau. Vérifiez que celui-ci soit bien de niveau. Pincez légèrement les encoches du poteau pour maintenir la grille en tension contre le poteau. Pour un maintien optimal, utilisez les cales de montage. Il vous en faudra 4 par panneau. Positionnez le deuxième poteau de la même façon et calez votre clôture avec des litots de bois pour maintenir celle-ci droite. Reproduisez ces étapes avec tous vos poteaux et vos panneaux. Une fois la clôture posée, scellez les poteaux en remplissant les trous de mélange à béton. Laissez sécher le tout 48 heures minimum. Et voilà, vous savez désormais comment poser une clôture rigide en scellement. À bientôt sur Clôture Online.